Salutations à toi, c'est Luce Francis. Préparons ensemble ce mois de décembre dans ton bullet journal. Enfin, dans le mien. Enfin, toi dans le tien et moi dans le mien. Enfin, t'as compris. Générique. Pardon, c'est pour moi. Oh, allez, couchez-vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, on a bien fait. Pour préparer cette session bullet journal comme il se doit, je me suis fait un petit chocolat chaud dans une tasse de Noël. Toi, si t'as la chance d'avoir des marshmallows, tu n'hésites pas, hein, tu nous en rajoutes. J'aime bien quand ma session bullet journal est un vrai moment rien que pour moi. Du coup, ben, je t'invite à faire pareil. N'hésite pas à faire pause, allez, c'est parti. C'est un peu chaud quand même. Ce qui est trop bon, c'est quand tu mets un peu de crème de coco. Petite astuce. J'ai pas fait énormément de bullet journal ce mois de novembre. Aussi bien pour le côté perso que sur le côté organisation-travail. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait grand chose au mois de novembre? Je me suis rendu compte que c'était pour deux principales raisons. La première, c'est parce que je fais énormément de yoga et de méditation. Et je pense que ça m'aide beaucoup, donc je ressens moins le besoin d'écrire en permanence ce qui se passe dans ma tête, puisque au final, mon nouveau confident, c'est un petit peu mon tapis de yoga. Non mais c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Et finalement, là, c'est là que je me rends compte qu'il y a du progrès, tu vois, parce que d'habitude, je me serais complètement laissée submerger par mes émotions. Le décor un peu moins que mon bullet journal, mais on sent très proche, lui et moi. La meuf, elle met des paillettes, du masking tape, ce serait tellement cool. Non, rate. Et la deuxième, c'est que donc, pour le travail, en fait, je m'en sers pas parce que c'est un peu le flou artistique. J'ai envie de faire plein de choses, faire des nouveaux formats, mais je sais pas vraiment quoi. Enfin, en fait, j'ai envie de faire des nouveautés, mais je sais pas forcément par quoi commencer. Du coup, ben, comme je prends pas de décision, je sais pas quoi faire. Comme je sais pas quoi faire, je sais pas comment l'organiser vu que j'ai rien à faire. Du coup, je fais pas de bullet journal. C'est QFD. J'en ai parlé à mon amie. Hello, c'est pour toi. Et elle m'a fait gentiment remarquer que je passais beaucoup plus de temps à réfléchir plutôt qu'à faire. Et c'est très vrai. C'est un truc tellement récurrent chez moi que je pense que j'en ai même déjà parlé dans les autres vidéos. Enfin, mais je l'ai tellement vite siroté mon lait, c'est pas possible. Moi, j'ai pas de refill. Et c'est une parenthèse pour vous dire que parfois vous avez besoin, enfin, moi personnellement en tout cas, j'ai besoin qu'on me bouscule. Et il y a vraiment que les amis pour faire ça, pour te mettre un gentil TPE au cul comme ça, là, pour te rappeler. Pas forcément que tu fais de la merde, mais peut-être qu'il y a un truc que tu peux voir autrement. J'espère que vous avez des amis autour de vous ou des gens de votre famille qui sont capables de faire ça pour vous parce que c'est très précieux. Alors, loin de moi l'envie de me jeter la pierre, je sais que c'est cyclique chez moi, d'ailleurs peut-être que c'est ton cas aussi. Mais je sais que faire du bullet journal, ça me fait du bien. Tu vois, je connais l'outil, je sais que ça me fait du bien, mais malgré ça, je ne le fais pas. Hein, ça te fait ça aussi des fois. J'avais envie de me remettre à faire du bullet journal, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imaginé un set que je voulais imprimer sur du papier et m'en servir après dans mon bullet journal. Très Christmassy, parce que j'adore l'esthétique de Noël, j'adore l'esthétique du mois de décembre. Et puis après, je me suis dit que peut-être, toi aussi, t'avais envie de te remettre à faire du bullet journal parce que t'avais un petit peu perdu ces derniers temps, et que peut-être ce set te plairait aussi. Du coup, tu vas pouvoir le retrouver dans ma boutique... Pardon. Oh, tiki-tiki. Dans ma boutique Etsy. Ça y est, je l'ai dit. Alors attends, on commence le bullet journal et je vais t'expliquer. J'ai eu envie de papier déchiré pour changer. C'est faux. C'est ce que je fais à chaque fois. Je sais pas, je pense que ça manque des fois un peu de... Juste de fun quoi, merde. C'est ça le bullet journal. Mais c'est vrai que comme je l'utilisais, je l'utilise vraiment que pour le boulot, bah du coup des fois je suis... Je sais pas, j'arrive pas à être fun. Alors que mon boulot est très fun, mais je sais pas. Il y a un blocage. Alors, j'imagine que tu dois être en train de te dire « Super, t'as ouvert une boutique Etsy, c'est comme ça que tu me la prends, entre le fromage et le dessert, super, bravo !» Bah oui. En fait, cette boutique, c'est l'illustration parfaite de ce que je te disais en début de vidéo, c'est-à-dire que je réfléchis beaucoup trop et que je ne fais pas. J'en parle depuis très longtemps de cette boutique Etsy, on est d'accord. Limite un running gag entre toi et moi. À chaque fois, je repoussais parce que je me disais, je vais pas avoir assez d'articles à proposer en ligne, je vais pas avoir assez de stock, ça va me prendre beaucoup de temps parce que, en fait, je suis une créatrice de contenu vidéo et pas une créatrice d'objets. Est-ce que je peux être les deux en même temps? Enfin, ça me posait énormément de questions dans ma tête. C'était comme quand t'es à la foire, tu vois, la foire de Mulhouse, ça part ou pas? Toi, t'es sur la t'as déjà envie de crever, de vomir, et le gars te dit encore un tour. Et bah c'était comme ça dans ma tête tout le temps. J'adore faire la voix de forain. J'avais mis que du chocolat là-dedans pourtant. Du coup j'ai préféré ne pas faire du tout. Et c'est un mécanisme qui est souvent le cas chez moi. Ça n'était pas très français. Au moment de faire ce set, je me suis dit ce serait trop cool de le proposer, mais j'aimerais bien aussi une petite rémunération en contrepartie. Si je veux le vendre, il faut que je le mette sur une plateforme. Je vais le faire sur Etsy. Il fallait y aller là. On pouvait plus attendre. Il fallait y aller. Tout ça c'est des dessins que j'ai fait à la main au Posca. Ça c'est deux des éléments que j'avais mis dans l'imagier d'automne. Ça je les ai fait au tampon et je les ai scannés. Ça, c'est un morceau de tricotin que j'ai fait et que j'ai épinglé en forme de ho. Et du coup, je l'ai multiplié et ça fait ho ho ho. Ça, c'est un morceau de laine que j'ai tricoté et que j'ai scanné. Et ça, c'est un morceau de ruban que j'ai noué et que j'ai scanné aussi. Voilà! Ça, c'est pareil, c'est du papier que j'ai déchiré. Alors, tu peux bien sûr l'imprimer comme ça ou... comme j'ai fait ici, tu peux l'imprimer sur du papier autocollant et donc du coup ça fait des petits autocollants pour ton bullet journal. Ou pour tes papiers cadeaux. Je vais mettre le ho 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 comme ça. J'ai déjà un peu bossé sur les vidéos que je voulais faire pour le mois de décembre et j'ai hâte que tu les vois. J'espère vraiment que ça va te plaire parce que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Du moins pour une. Donc je croise les doigts
pour que ça te plaise. Oh oui, je peux faire ça. Je sais pas trop où t'en es, toi, au niveau des cadeaux. Cette année, on a décidé, avec la famille de mon copain, de tirer juste une personne au sort, de se fixer un budget et de faire un cadeau en fonction de ça. Et je trouve que l'idée, elle est vraiment cool. En tout cas, je voulais dire merci. À chaque fois que je fais des vidéos Boulet le journal, t'es toujours au taquet et tout ça. Et je sais aussi que parfois, ben, quand j'en sors pas, les gens sont déçus et me le disent dans les commentaires, en disant « Oh, mais il n'y aura pas de vidéo Boulet le journal ?» Mais en fait, il faut que vous compreniez que mes vidéos Boulet le journal, je sais que ce qui vous plaît, c'est le côté un peu bah, développement personnel, etc. Ce que moi, je retire de la pratique du Boulet le journal. Sauf que des fois, il n'y a rien qui me vient et j'ai pas envie de forcer pour faire un truc s'il n'y a rien qui vient. Et je pense qu'on est gagnant dans tous les cas. Willowcraft! Au mois de novembre, mon mantra c'était I choose to enjoy. Et franchement, pour être honnête, ça m'a vraiment changé la life. En fait, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, bah, je me le rappelais tout le temps. I choose to enjoy. Ah oui, c'est vrai. Bah en fait, bah, allons-y. Et ça m'aidait vraiment à retrouver un peu de légèreté dans des moments qui n'étaient pas forcément faciles. Allez, on colle. On colle. On colle. Un truc toujours un peu relou, par contre, c'est de trouver le bout. Titre. Vas-y! Vas-y Francis, ça se peut t'es en train de te dire « Ah, elle aussi elle galère !» Tout à fait, comme tout le monde. Oh my god, yes ! Yes ! Et du coup, j'en reviens à me dire que vraiment, je crois que j'ai envie que mon mantra de ce mois-ci, ce soit encore « I choose to enjoy » parce que vraiment, c'était tellement agréable pendant tout ce mois de novembre que j'ai envie de le réitérer toute ma vie. Que je mettrais pas un petit coup de merde. Putain. Quand tu colles trop tôt. Oh là là, oui. Elle est forte. J'ai demandé sur Instagram pourquoi je disais des trucs en anglais. C'est parce que vraiment, ce mantra-là, je l'avais entendu en anglais. Et en fait, il me parle en anglais, donc je vais le garder en anglais. Mais toi, n'hésite pas à mettre ton mantra du mois et à me dire ce que c'est. Aussi, dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est quoi ton truc que tu te répètes tous les mois ou tout le temps, tous les jours, toute la vie et qui te permet d'aller bien. J'aurais pu mettre étape par étape aussi. Et je vais aussi mettre fait. Et encore une fois, je le vois pas comme un truc stressant, tu vois. Je le vois comme un truc, comme un encouragement. Par exemple, pour cette chaîne YouTube, qui est ma life, tu vois, maintenant, si je l'avais pas faite avec Mademoiselle, et mon gars, je serais encore en train d'écrire des scripts, encore en train de modifier la virgule. Avec Mademoiselle, j'avais pas le choix. On lançait nos chaînes, fallait y aller. Il y avait Dorothée qui attendait derrière la caméra. Beaucoup de ça va, tu te sens pas trop envahi par mes mains. Tant que dans ma tête c'est pas parfait, je fais pas. Je pense que c'est humain et que je dois pas être la seule à faire comme ça. Donc sur cette boutique il y a deux produits, hein, si j'ai réussi entre cette vidéo et la mise en ligne. Effectivement, beaucoup de mains, on va se calmer peut-être. Est-ce qu'il y aura plus de choses et qu'il y aura autre chose? Je ne sais pas. Étape par étape, je te mets le lien dans la description. Et je faisais le parallèle avec, tu sais, la méditation. Et franchement, si c'est un truc que t'aimes pas la méditation, j'espère que ça te saoule pas. Mais vraiment, moi ça m'a changé la life, du coup j'en parle beaucoup. Parce que je pense que tout le monde pourrait en profiter. Dans sa vie. En fait, le but de la méditation, c'est d'entraîner ton cerveau à rester concentré sur, par exemple, ta respiration, donc sur le moment présent. Donc, dès que tu as une pensée qui arrive, ben, en fait, le but, c'est de rapidement t'en rendre compte et de ne pas te laisser absorber par tes pensées. Pour moi, cet exercice de faire plutôt que de trop réfléchir, ça ressemble un peu à de la méditation. Maintenant, je me suis dit que dès que je me faisais happer par mes trop de réflexions sur certains projets, j'allais me dire « Wow, 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 wow !» Fait, en fait. Ça sort bien sur le rouge, ah là là! Donc le but, c'est que je me rende de plus en plus rapidement compte quand je passe trop de temps à réfléchir plutôt que de faire. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien me dire que je vais essayer. Je pourrais mettre « Merci 2019 pour », mais en fait, je crois que je vais mettre tout ce que j'aime en décembre. Parce que, justement, ça fait partie pour moi de ce côté ludique, en fait, du Boulet Journal, de juste des good vibes, quoi, en fait. Ça, par exemple, tu peux t'en servir pour faire une page de recettes ou des goûters, par exemple. Avec celle-ci, tu peux te faire une page avec tous les gens qui t'ont apporté de l'amour cette année, puis leur dire aussi, c'est bien. J'ai écrit « Vive décembre » pour ces feux de cheminée, voir ma famille, la neige, putain, j'espère tellement, voir mes amis. Bon, bah, écoutez, les marchés de Noël, hein. J'inclus également le vin chaud. Je change de couleur. Et ça me permet aussi de me réjouir pour le mois, tu vois. Dormir! Oh, les films, les téléfilms de Noël, où tu sais que ça va bien se finir. Tu vois, il n'y a aucune prise de risque. J'ai regardé Let It Snow aussi sur Netflix. Les cadeaux faits main, parce que c'est ce que je préfère. Faire, hein, après recevoir, il n'y a pas de souci, mais j'adore faire les cadeaux. Oh, le chocolat. Oh, mais ouais, j'ai un calendrier de l'Avent. Oui! Bah, Michael Bublé,
c'est une manière suffisante de pour se réjouir en décembre. J'écoute tout le temps son album à Noël. Faire cette liste, ça me réjouit à fond. C'est comme un skin tape et puis c'est reparti, hein. En tout cas, j'espère que ma petite histoire que je te raconte te permettra aussi de te dire « je vais faire » plutôt que de repousser pour X ou Y raison. Tu vois, par exemple, si tu veux organiser Noël chez toi cette année, mais que tu te dis que ton appartement il est pas assez bien ou pas assez décoré, vas-y. Si tu veux réaliser une tarte à la pomme, mais que tu te dis que t'as jamais fait de pâte brisée toi-même, et bah tu te dis qu'il faut d'abord que tu t'entraînes à faire une pâte brisée avant de commencer à faire la tarte aux pommes, vas-y. Si tu te dis que tu adorerais porter de la couleur, mais que t'as peur du regard des autres et que t'attends le bon moment pour le faire, vas-y, demain. En fait, il y a pas un meilleur moment qu'un autre. Vas-y, lance-toi et après t'ajusteras. T'ajouteras, t'enlèveras, tu changeras au besoin. Beaucoup de mains, j'y arrive pas. Écoutez, en mode expression, tu vois, faut que ça sorte aujourd'hui. Je suis désolée si jamais ça te parasite. Après, peut-être ça marche pas pour tout, tu vois. Genre, si tu veux épouser quelqu'un mais t'es pas vraiment sûr, peut-être prends le temps de réfléchir. Je te laisse propre maître et juge de la dose de vas-y attitude dont tu auras besoin. Sur les deux pages qui suivent, je vais mettre l'une en face de l'autre. Merci 2019 pour. Et la liste de choses que je veux faire en 2020. D'ailleurs, à la place de faire une liste, tu peux également faire une soc de l'hype. C'est un peu la même chose, c'est un peu plus ludique et un peu plus long, mais c'est marrant. Non, je l'ai déchiré. C'est pas grave, assieds-toi, faut que je te parle. Merci 2019 pour... Je vais faire toute une liste. Ouais, je me fais déjà le cadre. Je veux remplir ce cadre. Il y a tellement de choses que 2019 m'a apporté, tout est valable. Il n'y a aucune raison pour que ce cadre ne soit pas rempli. Et alors là, effectivement, ma liste est peut-être petite, mais pas de pression. J'ai envie d'objectifs, mais j'ai pas envie de me dire « faut absolument que je remplisse toute la page d'objectifs, parce que sinon, ça veut dire que je suis une merde et que j'ai pas d'ambition dans la vie. » Non, ça m'intéresse pas de faire ça. Franchement, il vaut mieux une petite liste bien remplie, ou que tu remplis au fur et à mesure quand viendra des autres envies, plutôt que de te mettre des objectifs juste pour te foutre la pression. Ça ne sert à rien. Puis surtout, les objectifs, ça change tout le temps. C'est ça qui est bon. Et donc à la base, il y avait écrit « en 2020, je me souhaite ». Là, je vais en fait le remplacer par « en 2020, je fais ». En réalité, il commence à être tard et j'ai peur que la lumière vienne à manquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça hors caméra et je ferai des plans demain avec une belle lumière. De ces deux pages que tu verras beaucoup mieux. Je filme un peu de manière informelle, j'ai plus mon micro branché, tout ça. Mon linge est en train de sécher. Je me rends compte d'un truc, c'est que j'écris merci 2019. Bah merci à moi en fait. Tous les trucs pour lesquels je ressens de la gratitude, la majorité du moins, c'est des trucs qui sont à mon initiative. Peut-être que toi aussi tu te rends compte qu'il y a des choses en fait, les choses que tu notes pour lesquelles t'es pleine de gratitude pour 2019, en fait c'est des choses que toi tu as faites. C'est cool de s'en rendre compte. Ça sent encore l'autre correction dans le set que je vais mettre en ligne. Ouais. Je le sens. Et voilà ce que ça donne avec un petit peu plus de lumière. J'ai hâte de savoir ce que c'est ton mantra si t'en as un pour ce mois de décembre. J'ai rajouté des coups de tampon par-ci par-là. Et pour ces deux pages, bah, j'ai rajouté des petites décorations, ma foi. J'ai rajouté ça qui vient du kit aussi, sur lequel j'ai dessiné une petite feuille de chêne. Et j'ai tout rempli, hein, ici, c'est... Enfin, sauf la fin, mais... Oui, mais parce que j'ai pas encore fini mon mois. Je te sens venir, mon petit... Non, mais t'inquiète, ça... j'ai vraiment envie de tout remplir, mais c'est les premiers trucs qui me sont venus à l'esprit. Là, c'est pareil, j'ai rempli ma liste de trucs de 2020 et j'ai laissé de la place pour ce qui me fera envie au fur et à mesure de l'année. Je suis trop contente du résultat. Et c'est cool parce que ça contraste vachement avec les deux pages d'avant. Ils sont quand même... bien rempli quoi, faut le dire. Je vais pas revenir sur tout ce qui m'a fait plaisir en 2019, mais j'avais envie de te faire une spéciale dédicace. Merci beaucoup d'avoir été là pendant toute l'année 2019. Ou bienvenue à toi si tu viens juste arriver. J'espère du plus profond de mon cœur que cette vidéo a permis de te mettre un bienveillant et gentil coup de pied au cul. J'espère aussi qu'elle t'a permis de faire le point sur ce que t'as accompli en 2019, que tu te kiffes pour ça, et de regarder sur ta liste d'objectifs de 2020. Moi, ça me permet aussi de me rendre compte de pourquoi j'ai pas fait. Est-ce que j'avais eu peur d'échouer? Est-ce que j'avais eu peur, pire encore, de réussir? Dis-moi dans les commentaires si t'es aussi contente ou content que moi que cette boutique Etsy soit enfin ouverte, et partage-moi ton avis sur ce set de décembre si tu en fais l'acquisition. Enfin, j'espère comme moi que ce moment passé ensemble t'a permis de revenir au bullet journal si tu l'avais un peu délaissé et que t'avais envie de t'y remettre. Et enfin, je te souhaite d'aborder ce mois de décembre avec légèreté, je sais qu'il est pas forcément facile pour tout le monde, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'embrasse très très fort et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut. Donc ça y est, la boutique, elle est là. On y va. Je suis désolée. Est-ce que je suis obligée de choisir? Countdown. Redescends. C'est vraiment là, il fait tout noir, hein. Il n'est même pas 17h encore. C'est la fin. Hello darkness, my old friend. Non, je rigole. La vidéo bullet journal la plus déprimante de l'univers. C'est pour la blague. C'est surtout heureux.